Et bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Isaac Repentance. On va jouer avec Judas, parce que Judas, c'est le roi, et voilà. Non, mais parce que Judas, moi je l'aime bien, Judas. C'est vrai que c'est un perso qui est assez fort. Mais est-ce que c'est toujours le cas dans Repentance? Oui, bouge. Nice. Tout était calculé, évidemment. C'est faux. Ah, on a accès à... Nice, 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 nice. Faudrait des bombes. Enfin, il faudrait une bombe. Une bombe serait suffisant. Bon, alors, Judas, le problème, c'est qu'au début, il a qu'un seul cœur. Mais il est fort. Donc, on lui pardonne tout, finalement. Et, bon, bah, il a le Book of Belial. Qui augmente les probabilités d'Evil Deal. Et qui, quand on l'utilise, nous fait un petit damage up, ma foi sympathique. On verra si c'est toujours le cas. J'imagine que oui. Je sens qu'il y a une mise à jour sur le jeu. Donc ils ont équilibré des trucs. Je crois que bah, dans le shop, justement, on peut de nouveau avoir des machines de reroll. Genre à 25% de chance. Et ils ont changé des paramètres, du mode easy, mode hard, je sais plus quoi. Je sais plus ce qu'ils ont fait. Je sais pas. Et ils ont fixé des bugs. Ah, j'ai une bombe. Disons la bombe avant de faire le boss. Juste comme ça. Et sachant que le shop est gratuit à étage 1. Enfin, gratuit. Non, mais... Ah ouais, mais alors, attendez. Est-ce que... Je sais pas si je sais pas si je peux prendre cet item, du coup. Parce que... La vraie question, est-ce que c'est cet item-là qui m'a fait perdre toute ma vie? Parce que j'avais perdu tous mes cœurs rouges à un moment donné, quand on avait cet item-là. Je crois que c'était dans la run précédente. Je sais pas si c'est cet item là qui me donnait ça. Donc en fait le problème c'est j'ai pas envie de mourir quoi. Comprenez. Bah par contre pas envie de mourir mais ok. Bon bah c'est bon, tout va bien. Normalement ça devrait aller. Là normalement on s'est pas touché. Je veux dire bon pas déconner quoi. Hop. Alors. Non mais j'ai pas de bombe. Black Candle. Ah bah ça c'est bien. Non mais vas-y donne tout l'argent. Donne l'argent. Voilà. C'est bon. Et tant qu'à faire. Hein. Alors je fais des trucs qui ne devraient pas passer. Sachez-le. Hein. Sachez-le normalement ça jamais ça passe. Hein. Mais non mais... S'il te plaît, au bout d'un moment faut arrêter. Bon, du coup j'ai un objet. Mais en fait, le problème c'est que je sais même pas à quoi ça se. Enfin, parce que si ça se trouve, c'est pas ça. Mais je sais pas à quoi sert cet objet. On nous le propose tout le temps, mais est-ce que c'est bien? Ah, par contre, vraiment? D'accord. Bon, voilà. Barre au sop. Meilleur tir rate et meilleur shot speed up. Ok. J'ai pas envie de prendre l'objet en vrai, hein, de la curse room. J'ai peur. Hein. J'ai pas envie de mourir, j'ai envie qu'on essaie de garder notre streak pour l'instant. Hein. On sait jamais. Ah, la souris. Pardon. Pardon pour la souris. C'est quoi cet item? C'est quoi ce... Ah, c'est Curse of the Maze, le symbole en dessous de la map, je pense. Là, on peut faire la challenge room. Ah oui, ils ont réparé les challenge rooms apparemment. Donc c'était cassé. Donc c'était bien buggé. Donc, bon... Très bien. Après, ce serait bien qu'il répare les Devil Deal aussi. Je suis pas sûr que ce soit un bug. Alors, le problème, c'est que si on se fait toucher, on perd nos Devil Deal. Ah oui, non, mais c'est vrai que. Comment j'esquive ça? Là, je joue vraiment avec le feu. Hein. Faut que ça s'arrête, hein. Voilà. Oh, le problème c'est que j'ai qu'un cœur rouge. Ça m'énerve. Ça c'est du dégât je crois. Je crois que ça c'est la... l'hormone. Donc c'est du dégât et un autre effet et je me rappelle plus lequel. Voilà. Vous m'emmerdez?
On est dans un cellier. Ouais. Pour ça. Pour ça, ces blagues-là. Vous venez? Bah ouais. Jamais, hein. Merci. Non! Oh, le cœur. Ce cœur rouge de la mort, là. Ah, c'est un bon objet, la tourelle, hein. Il aurait fallu que je prenne le sac à dos, quoi. Chose qui n'est pas le cas. Allez, les mouches. En vrai, le bébé mort, là, le bébé décapité, il est bien, hein. Il m'aide bien, en vrai, hein. Son DPS, c'est pas mal, je crois. J'ai pas de clé. J'ai pas de clé, j'ai qu'une bombe. C'est vraiment la merde. Toujours le même problème, hein. J'ai qu'une clé. Non, j'ai plus de clé. J'ai pas de clé, j'ai pas de bombe. J'ai une pièce. J'ai un cœur. Tout va bien. On va tellement mourir. Ceci, on aurait déjà dû prendre des coups, hein. Genre, c'est miraculeux. Hein. Oh, mais donnez-moi un cœur bleu. Je vous en supplie. Je demande pas grand-chose, juste un cœur bleu. Ok. Y'a pas de blague avec Pin. A priori non. Super, de l'argent. Ah, c'est trop bien. Oh, il a l'air trop trop bien, ce Devil Deal là, cet œil là. Ça me donne trop envie, l'œil. Hein. Genre vraiment. Hein. Mais bah j'ai pas de vie, quoi. J'ai... Oh, c'est dégueulasse. Est-ce qu'on fait le... Qu'est-ce que je fais? Je peux pas partir comme ça. Allez, s'il te plaît, une bombe. Une bombe. Une bombe. Une bombe. Connard. Non mais en fait, à quoi ça me sert d'avoir une clé maintenant que j'ai plus d'argent? Je sais pas. Hein. J'ai envie de prendre la piqûre. C'est une challenge room. Ça veut dire qu'on se fait des boss. Oh. Ah, mais en même temps, il faut qu'on se démerde. Hein. Ouais, c'est bien ça. Donc c'est speed. Non, mais il faut qu'on prenne du dégât. Hein. Il faut qu'on prenne des stats. Faut pas refuser un damage up. En plus, c'est un bon damage up. Tant pis, on n'a pas le Book of Belial, mais... Non. Connerie. Allez, meurs. Et une autre clé. Ok. Ça règle pas le problème des cœurs bleus, hein. Ceci dit. Au moins on peut avoir des Angel Home. Ah d'ailleurs ça a changé le pourcentage. Là on a autant de pourcentage d'Angel Home que de God Room, mais genre... En fait c'est vraiment... Ils ont clarifié le truc. Parce qu'avant c'était en gros quand t'avais 100% de chance d'avoir un Devil Deal et que t'avais pas pris de God Room, je crois que c'est 50% de chance, mais ça correspondait au fait qu'en gros t'avais une chance sur deux d'avoir l'Angel Home, quoi. À la place. Ça fait quoi comme trajectoire ça? C'est où que je suis safe dans cette connerie? Mes conneries! C'est douloureux. Ah, c'était pas un rocher marqué. Je me suis fait avoir. Non! Ok.
Bah voilà, c'est la première mort. Première mort et avec Judas, quoi. Oh. Judas, tu me déçois. Oh, on n'a pas eu de chance. Enfin, on n'a pas eu de chance. Après, en vrai, on aurait déjà dû se faire toucher 12 milliards de fois. En fait, je me suis pris un karma sur la fin, quoi. Mais bon. Bah, j'ai mal joué après, quoi. Yes. Bon, bah... Bon, on recommence, vu que ça faisait pas longtemps, mais... Fallait bien que ça arrive. Cette streak devait bien se cesser au bout d'un moment. Alors... Ah. Ah bah là, déjà... Vous voyez, déjà, on est... là, je suis quand même beaucoup plus content. Bon, on a mis de l'argent dans la machine. Voilà, on a débloqué la Black Candle. C'est dommage, on avait un bon... Enfin, on n'avait pas des items dégueulasses, mais... Mais on n'avait pas dit, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Sert à rien, si t'aimes, il sert à rien. Faut le dire. Hein. Ah oui, non, c'est encore pire. C'est même pas le remote détonateur. C'est pas la télécommande qui permet de faire exploser tes bombes quand tu veux. Non, non, c'est juste tu t'exploses. Donc c'est bien uniquement quand t'as Pyromania. Qui fait que tu te soignes quand tu prends des dégâts de bombes. Que tu ne crains pas les bombes. Ou le chapeau. Qui est bien aussi. Allez. Non mais... À toi. Ok. Ah eux. Eux ils m'ont pas manqué. Combien de coups? 4. Ok. Une bombe pour une bombe. Et une araignée. Mouais. Mouais. Bon, on a détruit un pot. Pour les stats. Ah. Ok. Ah mais lui, je crois que je l'aime pas trop. Ouais, parce que je connais pas tes attaques, toi. Hein. T'es mignon, mais je connais pas tes attaques. Hein. HP up. Le super. Oh bah du coup, je peux faire la curse room. Là, on peut se permettre de faire la curse room. Ils ont combien de vie, eux? Merci. Un cœur rouge là-dedans. Sous moi. Il se fout de ma gueule, le jeu. Pas une bombe? Bah non, y a pas de bombe. Bah non, évidemment qu'il y a pas de bombe. Une bombe, ça m'aurait permis de faire ça et de débloquer le coffre. Et avoir un cœur bleu. C'était évident. Hop. Bon, bah là, on est déjà mieux. Là, déjà, on est quand même beaucoup, beaucoup mieux pour attaquer l'étage 2 qu'on ne l'était dans la run d'avant. On a, par contre, moins de dégâts. Mais... C'est de l'ordre du détail, ça. Ah non! En plus, je le vois, hein. Ouais, premier dégât, gratuit. C'est bon, là? Saloperie, hein. Là, on s'éloigne. Du feu de ses morts. Des bombes. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien comme ça, là aussi. Hein. J'aime bien. J'aime bien l'idée. Non, pas toi. Non, toi, quand on vole pas, c'est l'angoisse. Faudrait le toucher.
Ouais. Je regrette déjà. Ah non, c'est bon. C'est bon, on a The Stars. C'est sûr. À me placer comme ça, c'est sûr. Non mais touche-le. Je pensais pas qu'il me viserait. Saloperie. T'as l'araignée qui pousse quoi. Allez viens. Non. Attaque. Attaque, décale. Attaque, décale. C'est bon. Ok. Vraiment. Je me fais bolosse par les araignées quoi. Et par les petites araignées. On en est là. Non, stop, on a dit. Hein. Ouais, là, y a pas de souci de range. Hein. Plus de bombes. Allez, viens. Je te vois. Ouais. Pire placement. Hein. Ouais. Allons-y maintenant. Hein? Il a une... T'as une nouvelle tête? Toi aussi t'es plus rond... t'es plus dodu. Range up. Et des mouches. C'est quoi le hiéroglyphe? Ça a l'air trop bien. Je veux ça. Ah, Temporary Demon Form. Je veux ça. J'aime bien le Book of Belial, mais... Mais avoir un petit Brimstone, là... Je vous avoue qu'un petit Brimstone... Quand même bien. Mais en vrai j'ai envie de... Ouais. Du coup j'ai envie de tester l'objet. Donnons une chance à cet objet. Après ça a pas l'air d'augmenter mes dégâts. Mais on a un Brimstone. Quand même fort. Par contre faudrait que je vérifie tiens si je suis... Stompy. Si je détruis les rochers. Ah non mais toi t'es toujours une saloperie. Bah ouais. Mais bon j'ai des mouches. Non. Ouais. J'aurais voulu éviter d'utiliser une mouche pour le caca, mais... Ça, c'est bien. Un petit pote. Qui fait des bons dégâts. De mémoire. Et si ça n'a pas changé. Comme toujours. Parce qu'en vrai, c'est vrai qu'avec Repentant, j'ai l'impression qu'il y a quand même... un certain nombre de changements. Bah, notamment au niveau des ennemis. Qui m'ont l'air un peu plus vifs. Bon, il manque une bombe. Tant pis. Et j'ai encore un The Stars, que je garde pour plus tard. Pas de clé. Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et ils ont des nouvelles gueules, hein. Trop marrant. On va détruire ça. Oh le... Le champi. Il va un peu me changer mes stats. On va finir avec la zone là. Ok. Superbe récompense. Voilà le champi qui change un peu mes stats de manière... Ça c'est un cœur noir. De manière random. Arrête, arrête, arrête. De manière random et
et qui me permet d'avoir la map, sauf que bon bah là ça me sert à rien. Parce qu'on est en... en Curse of the Lost. Voilà. Ah, les pins ça peut être dangereux parce que tu sais pas d'où ils arrivent. C'était sûr. Il y avait un truc avant, c'était quoi? Voilà, c'était ça. J'ai envie de faire ça. Non, mais c'était pas pour me faire toucher derrière en fait. En fait, à la base, je voulais utiliser ma The Stars, mais vu que je me suis fait toucher, quel est le sens de tout ceci? Ah, oh, c'est pas ces mouches là. Ouais. Toujours les mêmes. Ok. Non, trop fais pas toucher par ça. C'est bon là. On a compris. On a compris. Ces mobs sont chiants. Toujours autant. C'est bon. Après, j'ai ça, hein. Ah, ça détruit mon tir raid par contre. En même temps, toujours aussi inutile cette carte. Hein. Oh, les grises, c'est perturbant. Parce que du coup, ils sont plus faibles, mais. Mais j'ai peur. Ils me font quand même peur. J'oublie que c'est des gris. Je me suis dit, ça va, il y a peu de chances que ce soit un health down, bien sûr. Évidemment. Bon, l'avantage, c'est que si on la retrouve, ça me prend un health up. Ouais. Il y a d'autres trucs là-bas? Ouais. Putain. Mais putain, mais non, mais. J'en ai ras. J'en peux plus. Ça y est. Ça y est, c'est le craquage. Craquage émotionnel. Ok. Ça sert à rien, j'ai pas la map. Bah oui. Je me disais, y'a pas d'ennemis, c'est bon? Bah non. Si, si, y'avait des needles. Toujours pas de clé. Hein. Et là, on va trouver la secret room. Hein. Pour être là. Je crois. Ouais. Ouais, je crois qu'elle peut être là. Je suis allé en haut. Je suis même pas sûr. Toujours plus de bombes. Ah, mais par contre, les drops d'araignées sur les marchands. sur les pots, les marchands. Normalement, je suis censé avoir des pièces aussi. Hein. Ça marche plus. Ça aussi, ça a été patché. Non, ça par contre tu te fais pas toucher par ça, faut arrêter de déconner au bout d'un moment. Il me repère de plus loin non? Ouais. C'est pas clair. Un peu, mais peut-être pas forcément beaucoup. Scorpio? Virgo. Les signes astrologiques. Virgo, c'est pas un truc genre je prends qu'un demi-cœur sur tous mes dégâts. Je crois qu'il y a un délire du genre. Hein. Je crois que c'est pas si dégueulasse que ça, Virgo. Je crois. On a dit pas par ça. Pas se faire toucher par ça. Ok. Ah, c'est vrai que ça aurait été bien de pouvoir aller au shop là ce coup-ci, mais. Ouais, il peut y avoir la super secrète, soit là, soit de l'autre côté. Genre là. Ni l'un ni l'autre, visiblement. Ou j'ai mal placé ma première bombe. Parce qu'elle s'est décalée.
Oh, mais toi, t'es un enfer. Hein. J'ai l'impression qu'il saute un poil moins vite. Genre un poil, hein. Faut pas déconner non plus. Hein. Toujours très peur. Oh le Squeezie. C'est vrai que j'ai plus le brims. Ok. En vrai, worse, non. Je veux dire, bon, certes, c'est un cœur rouge et deux cœurs bleus. Certes, c'est beaucoup. Mais c'est trois cœurs noirs. Et c'est des dégâts en plus, oui. Surtout. Ok. Curse of the Unknown, oh bah. Décidément, c'est la joie ici. Saloperie. Ok. Ouais. Bon, ça me paraît compromis pour le boss rush, hein, dans tous les cas. L'enfer, l'enfer, l'enfer sur terre. Allez. Ne tire pas. Jamais, jamais, non. J'ai trop de bombes. Enfin, par rapport à mon nombre de clés. Ah, 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 ah. Ok. Dommage, j'ai pas pu réussir à le faire exploser à côté de son pote. Mais bon. Bon, évidemment, je garde ma démon form pour les boss. Ouais. Ouais, c'est passé, ouais. Et j'utiliserai jamais ma The Stars. Mais ça, c'est évident. Ça, vous le savez déjà, je pense. Speed and range up. J'étais lent, donc ça me va. Et bah, toujours un peu plus de range, je sais pas. Je vais pas dire non vu ma range. Donc non non ça me va. Oup oup, ouais ouais. Ok. Bon bah le cœur bleu déjà on le prend. Oh des pièces. Je croyais plus. Non mais coince-toi. Voilà. Voilà. On a cassé la machine, on est bon. Maintenant, l'argent nous sert pour nous, quoi. Hop. Mais bon, après, je dis ça, on va se choper que des grids. C'est fini. Du coup, c'est fini les boutiques. Ok. J'en ai pas... Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Pardon, pardon, il m'a fait un peu peur, j'avoue. J'avoue, j'ai eu un peu peur. Je suis content qu'on ait eu un brimstone du coup. Parce qu'au moins, j'ai pas eu à... Pas trop eu à réfléchir. Il avait pas l'air sympa ce boss. Hein. On le fait de façon réglo. Ouais. Faut croire. Hein.
pas envie de gâcher de bombe pour ça, quoi. Ah, y'a des... J'ai mis ce clic. J'ai eu peur, j'ai mis ce clic. Prize bomb, bon, toujours plus de bombes, hein. Pourquoi pas. Ah. Vas-y. Parce que voilà, il y a des trucs dans mes bombes, c'est ça. Ouais. Ah, ou j'ai des chances d'avoir des trucs dans mes bombes. Ok. Là, que des clés en l'occurrence, donc full clé. Plus de soucis. Ça tire comme ça. Effectivement, ça a trois yeux. Je me rends compte maintenant. Ah, bizarrement, j'ai pas trop envie de repasser par les mains de maman et les needles. Vous m'excuserez, hein. C'est bon. Ouais. Les pics, c'est pas bon par contre. Let's go. Gimpy. Allô? Allô le jeu? Merci. Je suis embêté là. J'ai envie des deux. Bon bah d'accord. Mais ça c'est nul. Imaginez c'était une télépills. Ça fait quoi ça? Damage up, range up, control tears. Hein? Oulala. Ça, c'est potentiellement fort. Après, j'ai eu un damage up de toute façon. Mais pourquoi je. Ouais, j'ai le shop éventuellement, mais tant pis. Tant pis, tant pis. Au moins, on connaît l'objet. Ah par contre, bon c'est fixe les challenge rooms, mais on peut toujours pas y aller quoi. Ça fait gaffe, tu peux regarder derrière moi. Pourquoi je suis trop autant de cœur? Shot speed up. Mais alors attendez, ça va me donner quoi avec mon brimstone ça? Du coup, maintenant que j'y pense. Oh le curse of darkness là. Ah mais je vole. Comment ça je vole? Comment ça se fait que je vole? Je suis un Léviathan? J'ai eu la transfo Léviathan? Mais du coup, attendez, on a eu Krampus qui est apparu, donc on n'avait pas débloqué Krampus à la base. Je vais pas avoir Krampus au début. C'est trop bien du coup qu'on vole. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien de voler. Dans les airs. Bon, 10 pièces, ça me va. Faut impérativement qu'on ait un shop, même si ça va être grid. Petit combat contre grid. Ok. Scapular. Ouais. Bon. Plus de drop de cœur bleu, donc, si je dis pas de bêtises. Je suis pas allé dans la sacrifice. Yes. Après ça va, non, niveau vie on est pas trop mal. Je pense que ça devrait aller. On commence à être assez puissant. En plus j'ai la démon form. Encore d'autres types de mouches hmm. Ah, alors attends. Là j'aimerais bien une carte de TP. Justice. Pas une carte de TP. Ah, par contre peut-être mieux. Il y a peut-être mieux encore qu'une carte de TP. Une secret room. Non. Ah bah, et The Stars, tiens. Hein.
Bon, on a décidé de piffer toutes les pilules, hein, visiblement. Judgment. Tiens. Voilà, regarde, sois jugé toi aussi. Yes. Faut que je fasse gaffe, j'ai plus beaucoup de bombes, hein. Mine de rien, avec mes conneries. Speed up. Oh, une autre bombe. Pretty fly, nice. Bah voilà, on a que des pilules bien. Finalement. Donc c'est bon. Non, attends, attends pour The Stars. Ah, mais The Stars, de toute façon, t'es. Ouais, ce sera un TP, quoi. Ah, oh, pas grid. Pff, mais des objets nuls. Ouais. Allez. Ah oui, mais du coup. Bon, je pourrais pas récupérer, de toute façon, là. Je peux pas utiliser SREM sur le boss et récupérer la carte de Stars après. Dans tous les cas. Vu que c'est mom. Mais bon. Au pire, on gardera SREM, enfin. On verra si on l'utilise ou pas. Ouais. Hein? Ça tire automatiquement? C'est trop perturbant. C'est trop perturbant. Ah mais attends, attendez, je contrôle comme ça. Au secours. Non mais arrête. Ah mais ça tire tout seul quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Plus 1 à la stat la plus faible. Oh. Du coup les tirs, le tears up. Le tear right. Oui non c'est bon. Je retire normalement. Non mais oh. Faut casser la main. Casser la main. Ok. Ah, j'ai la pelle. Ah, attendez. Oh, la pelle me permettrait d'aller jusqu'à Satan. Encore. Mais ça veut dire non à la démon forme. Mais en même temps... Ah, attendez. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça? Là, j'ai un cœur. Voilà. C'est parfait. Ah, j'aurais pu utiliser Strength. Sinon. J'aurais gagné aussi des cœurs... Mais bon. Pas grave. Pas grave, c'est pas grave. Non, normalement, on est quand même assez fort. Le seul problème, c'est que... Ah, mais non, mais c'est bon, j'ai plus la Demon Form. Ce que j'allais dire, en fait, le seul problème, c'est que ma Demon Form, j'ai du mal à maîtriser le laser. Oh, le bag lunch. Ça me fait drop un truc. Mais bon. Je vais faire drop un HP up, je crois. Si je prends des coups ou un truc comme ça. Ou c'est en fonction des salles, je sais plus. Allez. Bah j'ai pris un coup. Yes. On a pas encore le mapping. Oh mais vraiment ces boss là. C'est vrai que je vole. Il est où l'autre? Merci. Ok. Alors en fait oui, c'est pas, c'était pas un 2 hein, la dernière fois à la salle 2D. Enfin pas forcément je pense. Et le 2 c'est le D20. Donc ça reroll les ennemis. Pas du tout, ça reroll les loot. Voilà. Ça reroll les loot que dans la salle. Super. Bon après j'ai 9 vies. Donc faut le prendre en compte. Allez. De toute façon je vole. Donc la plupart des trucs que tu me fais toi, normalement, je suis tranquille.
C'est nouveau ça, je crois. Tier size et range up. Trop petit comme. Ok. Ok, ok. Sympa. Bah on prend ça et on se casse. Hein. J'aurais pu regarder s'il n'y avait pas un rocher marqué, mais j'aurais dû. Tant pis. Utero 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ah, ah. Il y en a un qui génère en plus. Il y a un truc. Non? Il y a un truc qui est venu du sol. Oh non, mais saloperie. Je sais pas combien de cœurs je suis en plus, du coup. Je crois que 4 cœurs et demi. Non, peut-être un peu plus, je crois que j'ai récupéré un cœur. Oui, j'ai un cœur rouge en plus. C'est chiant. Faire ça comme ça, hein. Voilà. Salut. Ah, ok, il y a un petit caca là. Mais bon. Ah, ça, plus besoin de clés pour déverrouiller les coffres. C'est bien, mais... pas très utile. Ça, non. Ça, non. J'ai dit non. Ah, ce serait bien de réussir là. Ouais, ce serait bien. Ouais, au moins dans l'objet quoi. On a débloqué l'objet. Scatol, c'est pas débloqué. Enfin, c'est débloqué de base du coup. On rappelait plus. Allez. Il me sert qu'à ça mon argent. Maintenant. Ok, Midnight Sax, donc, bah un petit, Ah, c'est ça le prix. Je les déteste ces mi-temps. Là, partout, c'est horrible. C'est cool, hein. Ça va, j'ai 9 vies. Pas de rocher marqué, hein. Ce serait trop simple. Yes. Je crois que c'est un truc avec les bombes, ça. C'est bon. Ah, oh, mais je drop rien de... Non! Non, mais pas... C'est bon, se cacher dans un coin ça marche. Mais ça a l'air bien horrible ça aussi. Ça je sais pas comment ça attaque. J'ai pas trop envie de le découvrir. Ah, en fait ça le protège ces orbitaux, ok. Je pensais que c'était un truc à attaquer. Ça va. Là. Super. J'ai même pas de Dark Bomb. Allez, le positionnement. Quoi? Je l'avais pas vu venir. Je sais pas où il est. Je l'ai entendu pop, mais j'ai... Ah ouais, je le vois. Tiens. Tu veux pas le tuer? Mom, fais un truc. Fais un truc, c'est ta... J'ai quand même eu le devil deal. Ah bah du coup, ouais, je peux aller... j'avais pas besoin de l'appel, quoi, en fait. Warcode... Ah, ça, c'est bien. Du tier zap. Ah, j'ai 4 cœurs. Bah du coup, ma appel me sert vraiment plus à rien.
Bon, on va pas prendre de risque, j'ai pas envie de faire exploser la machine pour l'instant. Non mais vraiment? C'était risqué, hein. Mais bon. Ok. Adieu. Yes. Mais non mais je repasse par là. Je suis un connard. Hein. Non mais en fait... Vous allez voir que j'ai jamais droppé de cœur. Ah oui, eux ils attaquent en frontal, je crois. Aïe aïe aïe, je suis tellement sous pression. Est-ce que c'est les ennemis? D'accord, c'est ça. Juste toi quoi. C'est bien, c'est vrai que t'es pas chiant. T'es pas un mob chiant du tout. Par là. Ah bah Dieu. Ah non. Je t'ai sauvé la vie. Bravo. Ça pour ça. Oh non. Pire mob de la création. Oh le Forget Me Now. J'adore cette cette salle là, mais pas ici quoi. C'est dommage. Pas vraiment dans ces circonstances. Ok. Ah mais faut les tuer eux. Ouais. Ceux-là on les tue. Il me reste pas 36 chemins, hein. Oh, eux, je les déteste, hein. Officiel. Peut-être prévisible. Ils sont peut-être prévisibles. Ça se défend. Ok. 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 C'est bon, on peut attaquer en diagonale. De toute façon, que je sois à 3 coeurs et demi ou à 4 coeurs, ça change rien. Techniquement. Par contre, mon Virgo, il me sert pas à ça. Virgo, ça servait à quoi alors? Feel refreshed. C'est de la merde. Il me semblait que ça servait à un truc. Allez. Non mais meurs. Ok. Ça c'est bon. J'ai pas regardé la pilule avant de l'utiliser, hein. C'est bon. Tout va bien. Tout est sous contrôle. Bah j'espère vraiment pas mourir. Hein. Tout ce que je peux dire. Oh vas-y. Hein. On donne tout dès le début. Hein.
Vaut mieux qu'on se dise qu'on... Hein. Voilà. En fait, si on meurt là, on est un peu désespéré, je vous l'avoue. Gimpy. Gimpy qui me sert à quelque chose, j'avais oublié. J'ai oublié le Gimpy. Mais non. Ah bah d'accord. Mais, vraiment ? Merci. Ah mais non. Le problème c'est quoi là? Il faut plus les toucher. Hein. On a plus le droit de les toucher. Des sabots. Oh non. C'est bon, sort de là, va-t'en. Ah. Ouh, c'était dur, hein. Ça aurait pas dû être aussi compliqué, hein. J'ai vraiment joué comme un sac, hein. Mais on l'a déjà vu 3 fois, cette fin, c'est bon. Et la langue de Judas est apparue dans le basement. Ça réduit les coûts des Devil Deals. En vrai, maintenant, ça peut devenir un trinket fort, en vrai. Vu à quel point les Devil Deals sont chiants. Au niveau des coups. Ok. C'est bon, Judas. On a avancé avec Judas, au moins. On aura tout fait avec Judas, je crois. On sera mort avec Judas. On aura vécu un fragment de... Un morceau de vie avec Judas. Mais on aura gagné. Tout ce qui compte. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos sur Isaac Repentance. Portez-vous bien. Bye bye.